Salut à tous et à toutes, c'est Blade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga du mois, octobre et novembre. Commençons donc par le mois d'octobre. Le mois dernier, donc le mois de... Enfin, pas le mois dernier, parce que le mois dernier c'était novembre. Mais au mois d'octobre, je n'ai pris que 3 mangas. Donc voilà, donc ça va être très rapide. Voilà, donc c'est parti. Commençons donc par One Piece. Voilà, je vous montre One Piece avec le reflet, je sais pas si vous verrez. Donc One Piece, tome 84, manga, donc c'est toujours des Eiichiro Oda. Donc je l'ai pris tout simplement pour la collection des 20 ans, là. La couverture spéciale pour les 20 ans. Voilà, donc là avec Luffy 2 ans avant et Luffy 2 ans après. Donc post-ellipse et pré-ellipse. Voilà, donc même si j'ai du retard sur One Piece, ça il me reste 12-13 tomes. Pardon, 12-13 tomes à peu près. Mais voilà, donc je vous montre sans vous spoiler, hein, One Piece, les dessins, ça s'est vraiment amélioré. Donc là je vous montre vite fait. Voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 4 de Rikudo, les gars. Rikudo, la rage au poing, donc de Toshimitsu Matsubara. Et c'est édité chez Kaze et c'est un seinen. Donc ce tome 4, je l'ai lu, hein, je crois que je l'ai... Non, je ne l'ai pas présenté. Donc je l'ai lu, ce tome 4 de Rikudo, il n'y a pas longtemps. Donc j'ai grave, je vous donne vite mon avis, j'ai grave kiffé. Voilà, Rikudo, c'est un manga que je vous conseille fortement parce que c'est excellent, c'est une dinguerie. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas encore lu, je vous conseille parce que c'est vraiment super sympathique. Les combats sont magnifiques et notamment les gars, les dessins. D'une pure folie. Je vous montre, mais les dessins d'une pure folie. Mais vraiment magnifique, hein. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas lu, vous allez peut-être vous dire qu'au début c'est un peu glauque et tout. Mais vraiment l'histoire est cool. Riku qui n'a que pour objectif que de vouloir atteindre les sommets, c'est par n'importe quel moyen, donc il se fixe que sur la boxe, le reste il s'en fiche entre guillemets. Mais voilà, c'est vraiment très sympathique parce qu'il va être un petit peu en difficulté dans ce tome là et c'est vraiment super intéressant, Rikudo. C'est de la frappe, je vous conseille. Puis on termine le mois d'octobre par parler de Re:Zero, Re:Life in a Different World from Zero. Donc le premier arc, une journée à la capitale, donc le deuxième et dernier tome que je vous montre. Par contre je fais gaffe un petit peu. Voilà, donc le deuxième tome que j'ai lu, que j'ai pas lu, ok, que je n'ai pas lu, mais que j'ai beaucoup apprécié le premier tome que j'ai lu il y a un petit moment, hein, déjà, je crois, vers le mois de mai-juin que j'ai lu, il me semble, donc j'avais pas continué, donc je pense que j'essaierai de le lire assez vite, voilà, parce que pourtant j'ai plutôt apprécié, hein, le premier tome de... Re:Zero, mais je ne sais pas pourquoi je n'avais pas lu. Je n'étais pas si pressé que ça de me prendre la suite. Donc voilà, je vous montre un petit peu les dessins. Bon, les dessins, c'est pas non plus folichon, mais ça se laisse à regarder. Donc voilà. Donc c'est. Voilà, donc Rikudo. Rikudo. Putain. Re:Zero, c'est sympathique. Hein, donc je vous le conseille aussi. Donc c'est tout pour le mois d'octobre. On passe maintenant au mois de novembre. C'est parti. Commençons donc par le tome 4 de pardon, de Tokyo Ghoul Re. Donc bon, voilà, c'est toujours de Sui Ishida. Alors j'ai lu les 3 premiers tomes. Voilà, donc comme j'ai pu dire à chaque fois, Tokyo Ghoul Re, c'est de la frappe, c'est de la bombe, c'est une tuerie, j'adore. C'est vraiment excellent. Je n'ai pas encore lu ce quatrième tome, mais ça ne saurait tarder, hein, parce que Tokyo Ghoul Re, c'est une
belle découverte, c'est vraiment super sympa. Donc les dessins que j'aime bien, franchement, que j'aime bien. Voilà, donc on revoit nos personnages qu'on avait, donc personnages principaux de Tokyo Ghoul, dans Tokyo Ghoul Re. Ça fait plaisir d'en découvrir de nouveaux personnages, revivre une nouvelle fois dans cet univers que j'aime beaucoup. Voilà, donc actuellement on a 9 tomes, mais voilà, on a 9 tomes, mais je pense que je vais prendre mon temps pour les rattraper, parce que j'ai pas envie de me les lire d'un coup et après pendant peut-être 6-7 mois non pas lire, toi. Donc je préfère vraiment prendre mon temps, après les lire, comme ça je sais qu'il me reste un tome à lire. Voilà, donc mais c'est un seinen, hein, faut le dire, c'est un seinen, hein, mais c'est un seinen au Japon, et c'est pour moi un de mes seinen, si ce n'est mon seinen préféré. Moi j'hésite avec Remember, mais franchement c'est une belle frappe. On continue avec le tome 4 d'Inomaru Sumo. D'Inomaru Sumo, donc que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai donné un petit peu mon avis sur Twitter, comme quoi Inomaru se trouve de nouveau face à un mur. Face à un mur comme la fois où il était au collège. Donc je vais pas en dire plus. Et on se demande s'il va vraiment cette fois s'en sortir. Donc ce tome 4, comme je l'ai dit, a été excellent pour moi. Vraiment meilleur que les... Peut-être pas que le premier tome, que les tomes 2 et 3, que j'ai pourtant apprécié. Mais ce tome 4 est au-dessus, peut-être un cran en dessous du tome 1 que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Mais un cran au-dessus du tome 2 et du tome 3. Donc voilà, je pense me prendre la suite assez rapidement, surtout qu'on est à 8 tomes pour le moment en France. Ensuite, Shonen 7, tome 5, toujours de Toru Fujisawa au scénario et Jinsuke Takahashi au dessin. Voilà, comme d'hab la couverture. Donc c'est édité chez Kurokawa, donc j'ai lu ce tome 5, j'ai adoré, franchement Shonen 7 c'est une tuerie. On est à 6 tomes pour le moment en France, je pense me le prendre assez rapidement parce que Shonen 7 c'est vraiment excellent sur tout ce qui se passe actuellement. C'est rigolo, t'as de la baston, voilà, il y a un petit peu de cul, voilà, mais c'est sympa, voilà, que dire de plus. Puis comme pour Rikudo, mais bon c'est comme un cran en dessous. Les dessins sont vraiment classe, hein. Moi j'aime vraiment le style de Takahashi au dessin. Ensuite, Fire Punch, tome 3. Donc Fire Punch, tome 3, donc toujours de Tatsuki Fujimoto. Voilà, je ne l'ai pas lu. Mais je pense le lire bientôt. Le tome 4 va sortir au mois de ce mois-ci. Donc actuellement nous sommes le 2 décembre. Donc il va sortir normalement, si je ne me trompe pas, ce mois-ci, le tome 4 de Fire Punch. Donc il a été annoncé comme bientôt terminé. Donc certainement 8 tomes. Mais voilà, pour l'instant c'est une dinguerie. Hein, même si je suis un peu triste que ça va se terminer. Mais pour l'instant c'est vraiment une dinguerie, hein, la couverture qui est tellement magnifique. Voilà. Et puis les dessins, vachement cool, hein, vachement cool quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais moi je trouve les dessins vachement cool. Ensuite, on passe au premier tome de Ingrate Prest Imhotep. Donc de Makoto Morishita, et c'est édité chez Kiyun. C'est un shonen. Voilà, une nouveauté du mois de novembre. Voilà, j'étais assez tenté plusieurs fois, on m'en a dit que du bien. Donc je fais certainement, je ne sais pas, peut-être au mois de décembre, peut-être au mois de janvier. Je pense le faire au mois de décembre, une vidéo, je pense, découverte manga sur ce manga-là. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, je suis tenté, donc je pense que je le lirai assez rapidement, on va dire.
Ensuite, on passe à un autre tome 1, donc le tome 1 de Smoking Parade de Jinsei Kataoka et Kazuma Kondo. Et c'est édité chez Kana et c'est un seinen cette fois. Donc c'est un manga fait par les auteurs de que je connaissais de nom leur précédent manga. Donc c'est donc ils ont fait précédemment Deadman Wonderland que je ne l'ai pas lu. Donc voilà, donc j'étais tenté pareil, pas que par la couverture, mais voilà, j'avais vu pas mal d'avis dessus, donc ça a l'air plutôt cool. Les dessins sont plutôt stylés, hein. C'est pas non plus les meilleurs dessins que j'ai pu voir, mais c'est bien sanglant. Que je peux vous montrer, c'est bien sanglant. Comme j'aime, voilà. Franchement, j'ai envie de me... Voilà, j'étais plutôt tenté par ce manga, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, un autre tome 1 que j'ai pris ce mois-ci. Donc Smoking Parade, je l'avais pris dans ma... Donc vous avez certainement vu dans ma dernière vidéo achat, donc c'était dans l'achat de l'anime Est 2017. Voilà, donc là, un autre manga que j'ai pris aussi à l'anime Est, que vous avez vu aussi, donc je vais pas trop tarder. Double Mi, donc voilà, Double Mi, donc par l'auteur, par Otto-san et Miki Makatsu. Et voilà, donc Otto-san qui m'a fait, qui m'a dessiné. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, dans les commentaires de ce dessin. Mais franchement, je ne l'ai pas lu, pareil, je vais essayer de le lire prochainement. Que je fasse une découverte, peut-être ce mois-ci, tiens, aussi, que je pourrais lire. Comme ça, je ferai une petite découverte manga, surtout que c'est bien dessiné. Petite découverte manga dessus. Et donc, c'est chez les éditions Ankama. Donc, je n'ai jamais pu lire de manga chez les éditions Ankama. Donc, voilà, très que ça a l'air vraiment très sympathique. Ensuite, on passe à au tome 3 et au tome 4 de GTO. Voilà, donc toujours, donc là la fin ça va être les achats de l'animest. Donc voilà, le tome 4 et le tome 3. Voilà, donc il y a le tome 5 qui vient de sortir. Donc, voilà, donc j'ai lu que pour le moment que le premier tome de GTO, mais ça ne saurait tarder que parce que je lise la suite. On continue le tome 8 de Black Clover. Black Clover tome 8 que je n'ai pas lu, j'ai ni lu le tome 7, donc j'ai eu que les 6 premiers tomes, j'ai du retard, mais voilà, Black Clover c'est un manga que j'aime beaucoup, je n'ai pas encore regardé l'animé, je sais, j'ai dit que j'allais faire une review, mais je pense que je vais bientôt commencer à me mater l'animé pour que je puisse faire une vidéo review sur les premiers épisodes, certainement, comme je fais actuellement sur My Hero Academia. Sur l'anime de la première saison. Donc voilà, donc en plus la couverture est magnifique. Et franchement, je pense qu'il faut vraiment que je rattrape Black Clover. Parce que Black Clover, c'est pour moi un putain de manga. Et je pense que ça va. Je sais pas comment le dire, mais je pense que ça va vraiment exploser au fur et à mesure de l'histoire. Parce que ça commence. Parce que je trouve que depuis le tome 4, ça commence à se détacher des gros Neketsu. Comme Naruto, parce que ça a dit ouais c'est du Naruto copier-coller, ou non c'est du Nanatsu no Taizai avec les dessins, ou non il y a un peu de One Piece, non il y a un peu de Fairy Tail avec les guildes, voilà. Bon, après pour les guildes, ok, à vrai dire moi je m'en tape un peu, mais après j'avais quand même aimé parce que l'histoire est cool pour les trois premiers tomes, même si j'ai trouvé que ça ressemblait quand même un peu Naruto, que je trouvais que les dessins ça ressemblait un peu dans un univers un peu médiéval à la Nanatsu no Taizai. Voilà, mais je trouve que les méchants sont cool, ça ressemble pas du tout à... Je trouve qu'ils ressemblent pas du tout à l'Akatsuki dans Naruto. Voilà, je trouve que vraiment Tabata commence à vraiment se sentir à l'aise dans son univers et à trouver d'autres idées en dehors des gros Neketsu. Donc voilà, donc à voir par la suite s'il continue sur cette lancée. Mais voilà, c'est cool, Black Clover, donc voilà. Franchement, c'est cool. Je ne peux que vous le conseiller. On continue aussi avec le troisième tome de Fire Force, donc toujours de l'auteur Atsushi Kubo. Pourquoi je dis toujours, j'en sais rien, parce que ce n'est pas prêt de changer, à moins qu'il meure et que quelqu'un prenne la relève.
donc de Atsushi Okubo, et c'est édité chez Kana. Donc voilà, donc j'ai pris le troisième tome, j'étais pressé parce que tome 2 était excellent. Fire Force, j'ai beaucoup apprécié, comparé à Soul Eater, comme j'ai dit, où j'étais un petit peu quand même déçu, j'étais quand même déçu des trois premiers tomes. Voilà, mais pour l'instant Fire Force c'est vraiment très bon hein. J'espère que ça va continuer sur cette lancée, mais vraiment pour l'instant c'est vraiment excellent. Ensuite cette fois on continue avec un énorme coup de cœur. Bon pareil, Fire Force et Fire Force je ne l'ai pas lu, mais un gros coup de cœur qu'il faut vraiment que je rattrape, que je n'ai pas lu. Bien évidemment vous devez savoir, My Hero Academia, j'ai pris le tome 10 avec une couverture sublime, et le tome 11 avec une couverture je trouve encore plus magnifique. Ah putain, je sens que ces deux tomes vont être plus qu'excellents. Je pense que, je sais pas, mais je vous garde la surprise, mais c'est une tuerie, putain de merde. J'ai lu les 9 premiers tomes, le tome 9 était excellent, ça m'a retourné le cerveau. Je vous l'ai dit dans une vidéo lecture manga, mais c'est excellent. Franchement, My Hero Academia, c'est vraiment la relève. Là, on sent de plus en plus que c'est la relève. On sent vraiment que voilà, ça passe à un niveau supérieur. Voilà, ah, je sais pas, mais c'est excellent. Voilà. J'ai tellement hâte de les lire. Voilà, j'ai tellement hâte, tellement que My Hero Academia, c'est excellent. Voilà, pour l'instant, c'est pour l'instant comparé à Black Clover, je n'ai pas vraiment été. J'ai trouvé tous les tomes excellents. Black Clover, j'ai pas vraiment été déçu. Mais les trois premiers tomes, c'était pas non plus la lecture du siècle, on va dire. Bon, le tome 1 était pas mal, mais tome 2 et 3, c'était bon. C'était vraiment bon, mais c'était pas non plus la lecture du siècle. Alors que My Hero Academia, tous les tomes, je les ai trouvés excellents. Tous les tomes, j'ai trouvé que c'était une tuerie. J'ai pas vraiment trouvé de. Que j'ai pas vraiment trouvé de défaut. Alors après peut-être que par la suite, je ne sais pas, peut-être que je trouverai que ça commencera à devenir moyen. Je ne sais pas, mais pour le moment, My Hero Academia, c'est une tuerie. Et ça reprend très bien, je trouve, la relève des Neketsu qui sont partis, comme Naruto. Bon, qui est pas vraiment parti parce qu'il y a Boruto. One Piece qui est pas... Je suis con. Bleach ou Fairy Tail, par exemple, qui viennent de partir il y a pas si longtemps que ça. Donc je trouve que c'est vraiment la relève du shonen, vraiment c'est là. Je pense que quand One Piece sera terminé, je le sens très bien que My Hero Academia arrivera certainement pendant plusieurs années, si ça continue encore longtemps. Pendant plusieurs années, je pense que y a vraiment moyen qu'il termine, à la première place, hein, vraiment. Mais vraiment, je suis sérieux quand je dis ça, hein. Vraiment, tellement que c'est excellent. Mais vraiment, je vois pas comment les Japonais ne pourraient pas apprécier ce qui se passe là, quoi. Donc voilà, on termine du coup, putain on est déjà à 18 minutes, on termine cette vidéo par parler du 18ème tome, par présenter le tome 18 d'Assassination Classroom. Voilà, on se rapproche de la fin, donc je pense qu'en 2018, le manga sera terminé. Donc vraiment, tristesse parce que j'adore ce manga. Comme je l'ai dit, j'ai été déçu à partir du tome 4 jusqu'au tome 6, 7 et fin du tome, milieu du tome 7, on va dire, jusqu'à la fin, parce que j'ai eu la fin en scan. J'ai vraiment adoré. Voilà. Et puis, je trouve que ça s'est bien terminé. Donc, no spoil, je vais pas spoiler la fin si vous n'avez pas lu. Voilà, si vous n'avez pas vu avec l'animé. Voilà, donc Assassination Classroom, c'est vraiment excellent. C'est tout pour cette vidéo, donc merci d'avoir pris le temps de regarder tout ça, parce qu'on est quasiment à 20 minutes. Je suis très long, je le sais. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Achat, je pense, en janvier, donc la prochaine vidéo achat, ce sera en 2018. Merci à tous, et à la prochaine. Jana.